les chats, les chiens, tout ce qui est peut-être aussi tous les petits animaux, les petits nouveaux animaux de compagnie, comme les cochons d'Inde, les serpents, oui, aussi, pourquoi pas. Les quatre pattes services, c'est une société de services animaliers à domicile. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, je me rends à domicile chez les gens. Bon, c'est un petit peu du service à la carte. Dans les prestations, il y a les balades, les visites. Je fais aussi du taxi animalier et je fais également certains petits soins. Pour les balades, je viens chercher l'animal au domicile. Lorsque les gens ont un petit souci, je dirais, d'emploi du temps professionnel, qui les oblige à rester très tard, à leur travail. Donc moi, en fait, je pallie à ça, c'est-à-dire je viens chercher l'animal, je lui fais faire son petit tour une fois, deux fois dans la journée. Voilà, c'est en fonction de ce que les gens souhaitent pour le bien-être de leur animal. Il n'y a aucun souci, l'entreprise Cap Pas Service fonctionne du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. J'ai une formation de base qui est une formation d'auxiliaire vétérinaire, une expérience au niveau canin et félin de plusieurs années. Et je possède également un certificat de convoyage d'animaux vivants qui me donne le droit d'avoir cet agrément par la direction des services vétérinaires. Alors le véhicule, c'est un véhicule donc, qui est aménagé aux normes d'hygiène, de sécurité et de confort pour les animaux, c'est-à-dire dans des cages qui doivent être bien amarrées, des cages de qualité, et aussi un véhicule qui puisse être nettoyé et qui ait une hygiène, je dirais, irréprochable. C'est vraiment être là pour pallier aux besoins des gens qui sont un petit peu stressés de par le fait de laisser leurs animaux tout seuls, toute une journée. Et c'est vrai que ça leur permet que quand ils rentrent du travail, ils n'ont qu'à profiter du bien-être avec leurs animaux. Il n'y a pas les problèmes de déjection, d'arrachage de papier peint, enfin de toutes les bêtises qui peuvent être faites par leurs chers petits compagnons.